assisté à cet événement qui est une tradition, à savoir que chaque année, Madame Zélie Madungu, par son humanisme, sa générosité, avait décidé il y a plusieurs années qu'à l'heure là, à cette période là, il y a 9 ans déjà, à cette période là, je dois me rapprocher de mes parents, les parents de mon mari, chez nous à Mimongo, offrir des cadeaux à nos enfants pour que nos enfants ne soient pas frustrés, qu'ils ne pleurent pas parce qu'ils n'ont pas eu un cadeau. Vous savez, pour moi, c'est un geste très louable. Mon grand frère Mobéa vient de tout dire ici. La politique passe, la famille reste. Nous sommes ici, vous savez, depuis qu'on a commencé avec cette affaire, sous la conduite de votre fils et de son épouse, Monsieur Alfred Nzengi Madungu. On a commencé avec cette affaire, ça fait 9 ans. Et cette affaire va se pérenniser. Ce n'est pas qu'on va s'arrêter là. Ce sont les enfants qui aiment Mimongo qui s'associent pour venir souhaiter un joyeux Noël à nos petits frères, à nos petites soeurs, à nos enfants. Mais également, comme vous le savez, toujours une bonne fête de fin d'année à nos mamans et à nos papas. Donc, ne craignez rien. Les cadeaux, les enfants auront toujours les cadeaux. Chaque année, on prie Dieu seulement qu'il nous accorde longue vie et qu'il nous donne la force de travailler pour avoir toujours les moyens.